madame, monsieur. Wani Celeste tellement gen kob nan men. Gen mesdames nan Etchema isa la nan gade la mwen nou tout sa nan tikiri. Chita nan salon ap danse pou li. Gen mesdames nan Etchema isa mwen nou renman pil an pil. Ki konwin la Canada nan kay nou te wèm dal kampi ya. Kay $800,000 la ou leve ou dormi. Kote mesdames sa kon Wani Celeste. Ki ba ou te l'école ensemble? Qui famille yote ensemble? La dénonce ça de vie, papa, la jatisme. Dans pays ça gen bagay artiste là. Gen bagay ça là. Gen madame nou ek nan Etchema isa yo là qui pa jam parler juste parce que peut-être Wani Celeste jalousie. Et pas compétition chante gen. Peut-être blanc garçon ça n'a pas gardé gè pile vende tête gars peut-être blanc garçon fait ya de ya il m'a y woni parce qu'elle trop beau garçon il gè trop femme m'a y parce que pas capable non ah il s'est gajou même là ou ra y woni on va faire jalousie ou ra y woni madame yo même ah sien yo dou va blague m'a fait non madame monsieur le Canada les États-Unis d'Amérique. Yo gen gros raison nan men yo. Et bagay sa nou ka passer là. Depuis le Blinken, en Blinken déplacé aux États-Unis, nous prend Blinken diplomate pour prendre macaque. Blinken sorti quitter Maison Blanche, dormi Canada. C'est très rare oui pour un leader américain vin Canada tout pour aller pour vin dormi pour aller parler demain encore. En Blinken quitter les États-Unis d'Amérique. Vin voyager là, vin rencontrer Trudeau, vin rencontrer avec madame Mélanie Joly, vin chita parler là sur Haïti. Kade nèg sa yo Canada va États-Unis pour qui paye yo. Yo va reconnaître ça gain. Yo j'ai senti que content. États-Unis m'attend États-Unis. Tant États-Unis non. Nous va reconnaître ça crélé. Diplomatie là. Arrête, Canada a sanctionné sans qu'elle pas connaît gen bagay pour sanction hein? Pour sanction informal et mon prend ouvre Canada pour macaque on zak bel nan nèg Haïti yo tout net téléphone yo sur écoute yo tout net ri politisi yo téléphone tout sur écoute oui et puis yo dori moi même pas en fanye et ko sa Guy Philippe te dit tout le temps parler y a la conversation bali depuis des années mais silence. Ma bon pinga by Richel, Jean-Aurel Richel, ça qu'on chante. Ma bon pinga by sacré, ça qu'on, sacré États-Unis. Algis, Kaïwoni Celestin en plateau central. Et Atis, soi-disant Richel là, nous besoin pour le dire la République qui relation le gagne avec Wani Celestin. Blondie, j'en dis là, Blondie. Ya. Nous besoin pour le vin dire, grand public là, qui relationne demoiselle sacre les Blondie avec Wani Celestin. Sinon, moi, John Colin m'a vina dossier. Mais avant vina dossier, moi, tiens à ce que pour nous rester pour nous dire la République, qui relation Blondie avec Wani Celestin. Et Richel, nous besoin pour dire la République, l'envie Canada qui va dormir. Depuis l'Amérique est faite pour nous. Ou pas besoin de dire, ou qu'à discuter, ou qu'à faire avocat, l'homme, avocat, parler pour moi. Alors devant juge, oui, allez, ça va prendre tout le bagage. Il va prendre le bagage, il va prendre l'avocat. Ou prendre le bagage. Ou tel appel, ou t'as parlé tel là. Ou prendre le temps de conversation. Allez, dit Haïti, États-Unis contrôlent les États-Unis, ils contrôlent le monde là. Qu'on a tiré d'autres nous fait tourner rage et fatra en bas, comme si Américain va contrôler le Canadien va contrôler. On a nous ambassadeur en bas, et même leader, même cocorate, même j'avais nous, et bon vol, seul vol qui est important pour nous, brasser drogue, après ça le couche à côté. Nous pensons, technologie à nous, technologie a trahi nous, bon petit politicien sans sale. Éclatement social l'a fait quand même. Et l'air, c'est ça pété dans le visage, je m'a demandé, est-ce qu'il y a bien infirmière? Est-ce qu'il y a bien docteur? Est-ce qu'il y a bien un professionnel de santé tout bon pour répondre à tant d'abcès? Ça va pas le péter dans le visage, nègre. Pays a dit assez, nous pas capable les gens liés là. Téléphone tout net, petit vagabond sur écoute, oui, madame, merci. Tout net, oui. Tout vieux réunion sale, il a préparé pour faire vieille manifestation.
voyez parler du côté comme il a dit nèg kap fè deal zam nèg kap fè tout net oui américain canadien gen tout on paye des services de renseignement ça non pays et puis coulé on voit que tire gare ti politicien tête chat y a vinn garder si yo kap paraît belle devant yeux public nous hein ah ben quand on voit que rimri mesdames messieurs John Coleman va nous demander. Bon, moi, ça, demander pour peuple haïtien paraître la Kaili. Moi, ça, demander pour peuple haïtien paraître la Kaili. Moi, ça, demander pour une manifestation qui fait devant l'ambassade Canada. Il met deux heures de temps. Dis-nous, applaudis-vous. Parlez pour faire violence, non? Allez, fais pause, nous applaudis-vous. Et puis, ça va venir jouer dans la presse Canada là. La venir jouer dans la radio-télévision Canada là. Que peuple haïtien, après décision, pour sanctionner Michel Martelly, pour sanctionner Ronnie Célestin, Hervé Foucan, et puis peuple haïtien, al bat bravo devant l'ambassade là. Qu'est-ce que tu as fait ça? Faut nous, garder diplomatie, et pour un paquet de bagay liés, non? Ça ne va pas penser le pot de fouille, non, l'autre côté. Son simple bagay qui diplomatie, hein. Peuple haïtien! Débarquer devant l'ambassade Canada, Albert Bravo. Albert Bravo pour la décision. Vous comprenez? Albert Bravo, comme ça. Mais c'est le faux même. On traite nèg machin, traite de la pour Canada. Vin devant l'ambassade là. Et puis bat bravo pour le Canada pour décision le bras. Nous prenons l'eau. Nous pas un conseiller, nous pas un monde qui fait communication avec nous. Nous pas comme ça veut dire signal ça nous le voyer là. On sait quand un haïtien avec drapeau canadien devant et puis on l'autre 200 haïtiens même à battre bravo pour le Canada. Nous pas comprendre rien parce que peut-être ça nous pas être moi seulement qui stratège dans affaire bagaille ça. Éclatement social la fête quand même. Et l'herbe, c'est ça pété dans le visage. Je m'a demandé, est-ce qu'il y a bien infirmière? Est-ce qu'il y a bien docteur? Est-ce qu'il y a bien un professionnel de santé tout bon pour répondre à tant d'abcès? Ça va le péter dans le visage, nègre. Pays a dit assez. Nous pas cabrer les gens liés là. Éclatement social la fête quand même. Et l'herbe, c'est ça pété dans le visage. Je m'a demandé, est-ce qu'il y a bien infirmière? Est-ce qu'il y a bien docteur? Est-ce qu'il y a bien un professionnel de santé tout bon pour répondre à tant d'abcès? Ça va le péter dans le visage, nègre. Pays a dit assez, nous pas cabrer les gens liés là. Visant des personnes suspectées d'avoir financé. RFI 8h06 en Haïti, la joie de la population après l'annonce de nouvelles sanctions. Sanctions décidées par le Canada visant des personnes suspectées d'avoir financé les gangs armés qui ravagent le pays et terrorisent la population. La liste s'allonge avec cette fois-ci l'ancien président Michel Martelly ainsi que les ex-premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henri Séan. Ils ne pourront plus accéder aux comptes et capitaux qu'ils détiennent au Canada. Des ministres en exercice, le président du Sénat, d'anciens parlementaires et des chefs de gang avaient déjà été sanctionnés. En Haïti, les réactions sont enthousiastes, comme a pu le constater notre correspondant Ronel Paul. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L'euphorie est presque sur tous les visages. Odiel petit frère n'a pas de mots pour exprimer sa joie. Mon cher, je dois te dire que lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis, même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Et aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout pas Michel Martelly. C'est le chef de gang le plus puissant en Haïti. Simon Noël n'est pas un reste. Il dit avoir eu la chair de poule après avoir été informé de ces nouvelles sanctions. Pour lui, les personnes ciblées méritent d'être immédiatement chassées du pays. Cette nouvelle circule dans toute ma moelle. Maintenant, c'est à la population de se soulever pour saisir les biens de ces malfrats. Parce que le gouvernement actuel, c'est la même équipe. Il ne va pas saisir leurs biens. C'est nous, le peuple, qui devons confisquer tout ce que possèdent ces hommes dans le pays. De son côté, Maître Franz Monfils félicite le Canada pour ses mesures qui visent à aider Haïti à sortir de l'emprise de ces hommes politiques corrompus. Le jeune militant annonce déjà des mouvements de rue pour inciter la justice haïtienne à se saisir de ce dossier. Par exemple, nous avons la justice qui devrait auditionner ces personnes. Les renseignements américains et l'ONU devraient nous aider également à débarrasser la société de ces criminels, de ces gangs et de ces hommes qui les financent. Aujourd'hui, personne ne peut se déplacer librement pour se rendre à Port-au-Prince. Personne ne peut quitter la capitale pour se rendre en sécurité dans les provinces. Ronel Paul Legonaïve, RFI.
mettre en place une nouvelle approche qui n'a jamais été testée par le passé, mais qui est importante, c'est-à-dire que tous ceux et celles qui profitent des gangs vont être sanctionnés. Donc, on a annoncé des sanctions la semaine passée, ouais. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous allons sanctionner aujourd'hui 3 nouvelles personnes qui contribuent à l'instabilité d'Haïti. Pour nous, Haïti est une priorité. Et on sait qu'Haïti fait face à une crise, à 3 crises au même moment. La crise de sécurité, parce que les gangs monopolisent complètement le pays et sèment la terreur. Deuxièmement, une crise humanitaire. Le choléra fauche la vie d'hommes, de femmes et d'enfants à tous les jours présentement. Donc, l'épidémie a recommencé. Et finalement, une crise politique, parce que le gouvernement d'Ariel Henry n'a pas soumis la suite même de ce que sera un processus de transition démocratique. Donc, face à cela, le Canada a la main tendue vers Haïti, vers le peuple haïtien, et on va toujours soutenir des solutions par et pour les Haïtiens. Nous avons besoin d'en parler en pile. Posez-nous, mesdames, messieurs. Posez. Si monsieur, ingénieur Moreno, posez-vous. Teriel, Teluz, la tête est parlée. Un vagabond fait pau, pau. Moi, ça lui, au vieux ami. Parce que t'as l'air d'en mettre éclatement social là, vous, peuple, là, nous t'y causer. Ça lui, chéri. Mesdames, messieurs, le Canada, les États-Unis d'Amérique, a vu un petit coup de mêlée où un pays a fait une crase net dans nous là. Pas gen haïtien qui dit yo c'est responsable et puis yo tout traité bébé parce que vagabond yo crase institution yo vinn faire green individu vinn plus puissant mesdames messieurs que institution yo c'est que moi même John Colin Morvan toujours a dénoncé ta gen institution là ta gen côté ULCC côté UCREF côté BAF qui en dedans de CPJ côté commissaire du gouvernement. Yo pour on est gueulé la fontaine, on vole les terres, on est sécurité, c'est un kidnappeur. Sécurité l'a arrêté au Kayagal, il a habitué à faire kidnapping, voler les monde. Le fait que le nos clan, qui gagne Evans Paul là-dedans, nos clan qui gagne Alfredo Antoine, les gros clan qui relève Ronald Gérard de Meza, on faux avocat. On faux avocat, et pas de mandé Ronald Gérard de Meza, qui va te étudier droit. Mande Ronald et Gérard Demeza, mande Kibna Kiba eux même lié. Pas de moi-même avant la parler là. Et puis l'avocat, Jovenel te mette le ministre sport. Après ça, le gouvernement PHTK, salsa, te mette monsieur directeur adjoint UCREF, oui. Yon a qui va étudier droit nulle part, non? Sauf en de cimetière de Port-au-Prince, lui-même a Tibob, yon doté en de cimetière de Port-au-Prince, yon étudier droit. Ou prend Jacques Lafontaine, mesdames, messieurs, ou al metel, commissaire du gouvernement. Yon assassin, yon volé. Seul dit comme seulement ça fait. Pas gen rien qui gen rapport à la justice. Mais yon mette la même pour ça. Monsieur Lagué, une série de Mexicains, drogue dealer. Après, Mexicain arrivé Santo Domingo. Yon sort dans la prison. Yon fait vidéo à prison yon de pénitentiaire. Vous savez des nèg qui dans prison là, c'est dit là j'ai monsieur mandé pour le faire pas, yo, li pas vle pour nèg ça revienne devant juge non. Surtout nèg qui était yo accusé dans dossier Jovenel Moïse. Bon paquet nèg qui en dans prison pénitentiaire là. Bon, bon bagay nèg tellement puissant, juge là pas qu'attendre des prisonniers au kounya. Chaque juge a mandé prisonnier, nèg yo tellement puissant yo passe encore, yo pas d'accord pour prisonnier ou vinn devant juge pour venir expliquer juge là comment bagarre là t'est passé. Chaque jour juge a mandé 2-3 nèg pour venir, youn nan nèg yo pa ka venir devant juge là. Yo font gymnastique, soit fait post-vague sécurité ou bien le gétan nan mit, bon nèg yo rete nan prison.